Et re, voilà. Effectivement, j'étais bloqué sur l'écran de chargement, donc j'ai relancé. Heureusement, apparemment, il était du bon côté. Voilà. Donc, on est dans le tribunal. Comment je vais dire? Comme vous avez vu, en fait, avant le machin, je suis ressorti, je suis re-rentré. Et en fait, les sauvegardes se font quand on passe les portes. Et je pense que c'est ça qui avait fait planter le chargement la première fois. Il a sauvegardé, mais il n'a pas fait la transition. Donc je suis sorti, je suis re-rentré pour que vous voyez. En bas à droite, il y avait un petit logo qui met sauvegarde. Alors, oh là, ils ont des têtes de vainqueurs, ceux-là. Je te veux. Non, merci. Bon, vu qu'on est dans un tribunal avec double face, la porte d'entrée, bon, je suis pas habitué des jeux d'action, mais à mon avis, c'est pas la meilleure des idées. Par là, il y a quoi? Il n'y a rien. Encore des portraits de juges. D'ailleurs, des portraits de juges, pourquoi ils sont toujours là? C'est rempli de détenus qui doivent détester les juges. Pourquoi ils n'ont pas brûlé les tableaux? Je pose la question. On va prendre les escaliers. Oui. Ah, c'est bien fait ça, tiens. Vous avez vu? L'escalier. Un côté propre, un côté sale. C'est comme double face. Et on... Ah oui, bah en fait, c'est tout le tribunal en fait qui est comme ça, regardez. Regardez, oh, il y a de la lumière, c'est tout joli, c'est tout beau, tout est bien rangé. Tu vas de l'autre côté. Ben, c'est le chaos. C'est le chaos total. Alors maintenant, demandez-moi comment ils ont fait pour faire ça, j'en sais rien, mais c'est une bonne idée. Je trouve, voilà, ça c'est sympa. Le tribunal, c'est chez double face, donc le tribunal est à double face aussi. Je peux pas aller par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah bah tiens, il y avait une autre porte là. En fait, je pouvais même passer. Ah, c'est un peu comme... comme un Deus Ex en fait, enfin Deus Ex, on a plusieurs options. Donc en fait j'aurais pu simplement passer par cette porte. Je sais pas où elle était, mais on aurait pu passer par cette porte et ne pas faire le combat. Tout comme ici je suppose, je peux passer par en bas et tabasser tout le monde, ou faire comme je fais ici. Après tout, je suis Batman, j'essaie quand même d'être discret. Ah ben j'ai bien fait de pas prendre la porte d'en bas, hein. Vous avez vu le monde qu'il y a. Le seul moyen de s'en sortir ici. Ah, il pourrait y ressembler le double face d'ailleurs. C'est ce qui Oh, se il est passe. moche. Enfin, il est à moitié moche. Mais il faut qu'on soit juste. Oh, l'œil, pardon, quoi. C'est une cour de justice, ne l'oublions pas. Justice. Tu l'as et nous craindrons. Ah, j'aime bien la lumière sur son visage comme ça. Faites donc entrer l'accusé. Ah, ils l'ont pas raté, le double face quand même. Ah, Catwoman. Ah, on peut dire que tu sais t'y prendre avec les femmes, Harvey. T'aurais pas fait un peu de chirurgie? Ah, la femme. Personne. Elle t'a rien volé, c'était son téléphone. J'ai été un vilain chaton. Libéré. Sous tombe. Voyons voir si cette pièce annonce que tu dis vrai. Ah, c'est sa pièce. Oui, ben elle tombe toujours du mauvais côté, sa pièce, hein, donc. Ah non. Ah bah tiens. Le procès commence. Ah le... Ah c'est dégueulasse ça, le muscle maxillaire là, qui pendouille sur le côté... enfin sur son côté gauche à lui qui est notre côté droit à nous. Alors... Comment est-ce qu'on est... Qui est-ce qui a tiré? Ah c'est lui. Bon, donc déjà rentrer dans la pièce c'était une très mauvaise idée. Ah tiens, il y a un fil. Il y a un fil, le fil il démarre de là, il y a une échelle, ok. Vous en montez, passez sur le fil, et puis je suppose que je dois descendre sur le truc là et sauver Catwoman qui est là-bas. Ok. C'est gérable. Ah, et quelqu'un. Il suffit d'éliminer le type qui alarme. Sans lui, le reste de la pièce ne sera plus un problème. Ouais. Quoi, je dois juste lui taper dessus. Attends, parce qu'il a... Ah, il a une mitrailleuse, le mec. En même temps, si je fais du bruit, ils vont m'entendre. Est-ce qu'on sait faire le truc discret comme dans Deus Ex? C'est quoi ça?
Caisse avec des lumières. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que je peux... Ah oui, je peux. Et vous, mesdames et messieurs les jurés, jouerez à Marcher sur un câble. Ok. Hop. Oh, j'ai des à côté. Non, ça va, c'est... Oui, ça te laisse une marche quand même. T'es pas obligé d'être juste en face. Tais-toi, je parle. Il y a toujours deux côtés à chaque histoire. Alors, écoutons sa version avant de procéder au jugement. Je suis sur le fil. Je fais comment pour descendre? Espace plané. Ah non, c'est contrôle. Merde, j'ai raté mon coup. Tant pis, c'est parti pour la... Ah, ils s'en vont. Regardez, ils s'en vont. Revenez. Aïe. Et tape. Je te demande de taper, pas de tourner. Ah oui, ça a bien diminué. Contre. Ça a quand même bien diminué le nombre. Oh, le réflexe. Ce réflexe. Bon, je l'ai pas fait exprès en fait. Je voulais en contrer un autre et j'ai attrapé la chaise au passage. Je savais même pas qu'il pouvait me balancer des chaises en fait. Tu m'énerves avec ta patte toi. Tiens. Ah, il tire dessus. Il faut que je me planque. Aïe. J'ai pris une chaise. Ton bras droit, aïe. Oh. Bon, excusez, je suis un petit peu distrait, je vais arrêter de... il faut que j'aille me planquer là-bas, ok. Aïe. Oui, il me tire dessus, donc faut que je me planque. Voilà. Allez, venez. Hop. Non, reste là. Ah, c'est espace. Ouais, c'est ça, t'as le bon rôle, toi, hein. Je m'en prends plein la figure. Aïe. Oh, tu m'énerves avec ta patte, toi. Tiens. Ah, il... Contre. Ok, c'est bon, tape. Où il est. Il est là. Bah oui, je suis caché, tu peux pas me taper. Non, reste là. Monte pas. Redescends. Oh là là, les contrôles, pardon. Allez, viens, je vais te contrer. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Bon, j'ai perdu les trois quarts de ma vie, mais c'est pas grave. Aïe. Et il pouvait pas me tirer dessus. Ok, c'est encore un truc qu'on peut pas éviter, quoi. Pile ou face, joli mignon. Quelle face je dois choisir pour rester en vie? La mauvaise. Ah, ça y est. Là, c'est du double face. Moi, je demande un sursis à l'exécution. Paf. Oh, Catwoman. Ah, maintenant, ça va être le combat Catwoman contre Dent. Super. Dommage. Ça va te faire très mal. Deux flingues, Cat. Ouais. Oh, Batman, il est pas mort, quelle surprise. Ouais, sauf que, bon, c'est le roi du ligotage. Il attrape le mec avec le grappin et deux secondes après, il est ligoté pied et poing. Ok. Pourquoi pas. Ça balance, Harvey. Ah, le coup de pied dans les coucougnettes, un grand classique. Oh, il l'a mis dans son corsage. On veut voir. Quand t'as déjà dit que t'étais plein de surprises. Je me suis dit. Et toi, t'avais des beaux yeux verts et des grosses doudounes aussi. Je crois que c'est une griffe là-bas. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Très drôle. Qu'en sais-tu, Selina? Ah tiens, j'aurais pas écrit Selina comme ça. C'est pas ce que je voulais entendre. Et pour Hugo Strange. Bah oui, ça, j'avais dit qu'elle savait rien, évidemment. Comment est-ce que tu veux que Catwoman sache quoi que ce soit? C'était complètement idiot. On raconte qu'il bosse avec le Joker et qu'il prépare un petit cadeau très spécial, rien que pour toi. C'est peut-être ça le protocole 10. Ah, de dire cher Batou, qui veut tuer ton gentil Batou. Ah, joli rime. Cet ex-procureur ici présent a dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je le dirais bien, mais ça passera pas sur YouTube, donc je vais me taire. Cet endroit est très dangereux. J'adore ça. Tu attendais un baiser? Ouais, c'était le mais Joker. Tu me le donneras pas, comme d'habitude. Tu es en danger ici, comme tout le monde. J'ai une vie, tu sais bien. Excusez-moi. Un chat dans la gorge. En face de Catwoman, c'est normal, mais...
Faudra que je pense à m'éloigner du micro pour que je dois localiser l'endroit par où la balle est entrée dans le tribunal, ainsi que son impact. Ok, quelle heure est-il? Ok, j'ai encore une vingtaine de minutes, donc on va encore... Allez, libère-moi! Bats-toi comme un homme! Je parle! Donc je dis, il me reste encore une vingtaine de minutes, donc on va encore continuer, hein. C'est plutôt sympa jusqu'ici. Un peu simple, bon, je m'en prends déjà plein la gueule dans les combats, mais bon, ça c'était à prévoir. Détecter, maintenir, ok. Bon, ça va, c'est pas trop difficile. La balle est donc entrée par cette fenêtre. Où s'est-elle logée? Là. La trajectoire empruntée par la balle me mènera au tireur. Ouais. Medical Center. Ouais, c'est le Joker, ils ont des masques. Bah tiens, justement, le Joker. Afficher la bio. Ah bah tiens, on a des bios à regarder dans le jeu. Une seconde. Voilà. Le chat ne veut pas partir. C'est dommage, on le voit pas. Je sais pas pourquoi on le voit pas. Si ça se trouve, c'est Strange. T'imagines, en fait, le Joker, c'est Strange. l'apparence... Sa dernière rencontre, le Joker a été transféré. C'était témoin, il a été d'une grave maladie causée par son overdose de titan sur l'île d'Akrkam. Ouais, sa dernière rencontre avec Batman. Je suppose qu'ils font référence à Asylum, qui, comme je vous l'ai dit, là j'en suis sûr, je n'ai pas fait, donc c'est une référence que je ne connais pas. Je sais pas de quoi on me parle. Depuis il est discret, par l'intermédiaire d'Harley Quinn. Ah bon. On ignore s'il est vraiment mal en point ou si c'est encore une de ces sales blagues. Ouais, c'est une sale blague, hein, c'est le Joker. Meurtrier psychotique récidiviste, force surprenante au corps à corps. Ah bon. Passé inconnu, utilise divers armes mortelles inspirées d'objets de fête, utilise une toxine qui tord le visage. Ouais. Bon. Ah, il y en a d'autres en fait. Il y a Batman. Je sais pas, un écusson, un nœud papillon. Ça c'est le pingouin, il y a le Wick. Le voilà. Strange, apparemment c'est le personnage principal. Hein. On le rencontre dès le début, il s'est quitté, donc je vais me renseigner un peu sur lui. Un psychiatre, tu m'étonnes, gris, première apparition, ah oui, en février 1940, tu m'étonnes que j'en ai jamais entendu parler de ce mec. L'infâme psychiatre Hugo Strange, le secret des criminels, et le projet, ce moyen d'éradiquer le crime, et les dangereux justiciers comme Batman. Pardon. Selon la rumeur, Strange mènerait des expériences douteuses sur les détenus sans autorisation. Ben voyons. Mais en l'absence de preuves, Gotham remercie Strange pour la baisse considérable de la criminalité. Strange sait que Batman s'en prendra à lui, c'est d'ailleurs ce qu'il espère. En même temps, c'est lui qui m'a capturé. Donc, c'est n'importe quoi. Condition physique excellente. Ah bon. Ouais. C'est pas visible au premier coup d'œil. Qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts? C'est quoi ça? Il fait un losange. Ça a sûrement une signification. C'est le cycle de Batman. Une tête, les ailes, la queue. Ah, il fait un cycle de Batman avec ses doigts. N'importe quoi. Un fin psychologue. Bah oui, forcément, c'est un psychiatre. Connaissance approfondie des psychotropes. Ouais, bon, Captain Obvious, t'as fini de rédiger les trucs ici, oui. Obsession pour Batman et son identité secrète. Il la connaît. Il sait qui est Batman. T'es en retard de deux guerres. c'est victime d'épisodes schizophréniques fréquents. Ouais, bon, c'est un peu n'importe quoi ce qu'on te met là-dedans. Je regarderai ça plus tard, probablement off, quand j'aurai un peu le temps. Je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre. Une carte, ça peut être utile. Je peux zoomer. Non, je peux pas zoomer. Mission secondaire, j'en ai pas, je pense.